Monsieur le secrétaire général de Koya, messieurs et mesdames, les directeurs préfectoraux, messieurs les DPJ, messieurs les DSPJ, messieurs et mesdames, les présidents, directeurs des entreprises invitées, messieurs et mesdames, les chefs des quartiers, honorables invités, très chers jeunes, nous éprouvons un réel plaisir et une grande satisfaction à nous tenons devant vous aujourd'hui pour célébrer cet événement que nous, les jeunes de Gomboyanor, attendions depuis longtemps, la mise en place d'un bureau de la jeunesse dans notre cher quartier. Nous vous remercions au nom de toute la jeunesse de Gomboyanor d'avoir pris cette belle initiative aujourd'hui qui va dorénavant permettre à la jeunesse de Gomboya d'entreprendre des actions novatrices dans le cadre du développement de notre quartier, mais aussi de l'épanouissement, l'autonomisation et la formation des jeunes. Tout cela selon la vision du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui d'ailleurs a bien voulu dédier son mandat aux jeunes et aux femmes. En effet, soucieux du bien-être des jeunes de notre pays, en particulier de Gomboya, soucieux des conséquences de l'immigration clandestine sur la jeunesse, soucieux aussi du taux de chômage élevé des jeunes associés au manque d'entrepreneuriat des jeunes, les bureaux vous aurez à mettre en place aujourd'hui, Changaz, à l'appui du gouvernement, des instituts publics et privé et des ONG aménager aucun effort pour faire de Gomboya Nord le quartier le plus exemplaire de tous les quartiers de Koya. Messieurs et mesdames, honorables invités, très chers jeunes, notre bureau de la jeunesse se compose de 14 membres.